Tremblay qui lance la machine. Ruzica qui envoie au fond. Oula, pas les flottants. Et but, oui, accordé. Un lancer flottant de Ruzica qui est dévié, qui est sauvé par le gardien. Mais c'est Mathieu Tremblay, le fougueux Mathieu Tremblay, comme à son habitude, comme le dernier match ici, qui travaille très fort et qui reprend ce palais flottant aux abords de la cage. Que va tenter Tremblay? Il va tenter la longue passe. Oui, superbe pour Bourgo. Tremblay qui déborde magnifiquement. Il lève la tête, il regarde. Il sait qu'il n'y a plus que 10 secondes. C'est le shoot ou la passe. C'est la passe pour son capitaine Bourgo. Reprise de volée imparable. Superbe. Magnifique 2-0 ici. Un très beau but de powerplay. Et oui, un powerplay improductif. Attention, il bute. Oh là là, l'encontre. Superbe travail là. Magnifique travail des Yeti qui réduisent le score. C'est mérité. On le sentait depuis tout à l'heure. Il méritait. C'est un contre. C'est un contre. Mais gros travail sur la balustrade. On envoie le palais au centre. Reprise de volée sur un palais flottant qui passe sous la crosse de Raphaël Garnier. Voilà, les remparts sont placés. Mais les Yeti sont rentrés dans la zone offensive. Bonne conservation du palais. Oh, et but! Oh là là là, très beau but de travail. Conservation du palais sur la balustrade. On envoie dans le slot. Et là, le palais flottant, volant. Et un petit revers de rien du tout qui passe sous la jambière qui avait glissé Raphaël Garnier à son deuxième poteau. Et voilà, l'égalisation. Torres, Pissarek qui vient appuyer ses avants. Jekimov là, au bout de course, qui échoue pour la troisième fois. Il n'arrive pas à récupérer ce palais. Allez, bon travail. Shoot puissant et but. Oui. Passe de Torres pour Aubuche, il me semble. Une passe hasardeuse, diagonale. Torres qui avait vu Aubuche isolé. Aubuche, shoot simple. Araglas cette fois, contrairement à tous les shoots qui sont passés au-dessus. Et un palais qui finit et vient mourir au fond de la cage des Yeti.